Salam alaikum, Azul Flaouen, bonjour. Vous savez quel est le montant moyen des traitements, appelons-les comme ça, puisque ce ne sont pas des salaires, des traitements des députés européens, vous le savez? Environ 5 fois le SMIG de leur pays respectif. Et vous savez quel est le montant du traitement des députés algériens par rapport aux mêmes critères? 20 fois le SMIC algérien. 20 fois. C'est-à-dire en Europe, c'est 5 fois. En Algérie, c'est 20 fois le SMIC. Sans compter des privilèges en tout genre, et sans compter, bien sûr, les privilèges en dessous de table, les lots de terrain, les logements sous main, les crédits bancaires, les commissions qu'ils touchent pour leurs interventions auprès des banques, des walis, des ministres, etc. Savez-vous comment sont élus les députés européens? Par un vote franc et transparent. Et en Algérie? Je vous laisse deviner. Petite précision, malgré le bourrage, l'actuel Parlement, l'actuel, celui qui enregistre aujourd'hui ce qu'on lui demande d'enregistrer et qui applaudit quand on lui demande d'applaudir, l'actuel Parlement a été élu à moins de 30% de l'électorat. Moins de 30%. Normalement, dans un pays qui se respecte, des élus qui ne représentent même pas le tiers de l'électorat, sans compter les bulletins nuls, le vote aurait dû être refait. C'est pas normal que des députés ne représentent que 30% de l'électorat. Savez-vous ce que font les parlements en Europe? Quelle est leur mission? Ils votent les lois et représentent de façon intégrale et très sourcilleuse le pouvoir législatif. Savez-vous ce que font les députés algériens, à part applaudir? Là, je ne vous laisse pas deviner, je vous donne la réponse. À part applaudir et voter tout ce qu'on leur demande de voter, ils passent leur temps à demander des augmentations. Aujourd'hui, à l'Ouattan. Salaire, retraite dorée et passeport diplomatique, les députés veulent encore se sucrer, par Nabila Amir. L'expression « Élu par le peuple, il revendique des privilèges personnels. À quoi sert un député ?» Selim Agar. Le courrier d'Algérie. « Les députés cherchent le nec plus ultra » par Selim Nasri. Avec nous aujourd'hui, Zine Bazouz, universitaire et activiste politique, et Ali Boukhlef, journaliste. Zine Bazouz, merci d'être avec nous. Allô, oui, salam alaikum. Alaikum salam. Merci. À votre avis, ces demandes de nos parlementaires, à un moment où tout le monde s'inquiète des rentrées financières de l'Algérie à cause de la chute brutale des prix du baril, où tout le monde commence à se poser de sérieuses questions, comment ce régime va-t-il pouvoir gérer cette situation, les députés demandent qu'on les augmente encore. Alors, à votre avis? Alors, vous me demandez mon avis sur ce que font les députés? Oui. Ou
ne font pas ils sont députés ou sur, ce, sur le problème de la rente qui risque de qui risque non de... non sur 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 l'activité favorite des députés qui consiste à demander des augmentations. Ils ne s'occupent pas du reste. On sait qu'ils ne font rien, à part voter ce qu'on leur demande de voter. Là, on ne se pose plus de questions. La question qui se pose maintenant est comment ont-ils l'audace, par les temps qui courent, de demander des augmentations. Alors, au-delà de ce que sont nos députés et au-delà de notre aversion, de toutes ces icônes et ces vitrines d'un pouvoir occulte, mais d'un pouvoir présent et puissant et cruellement puissant, cruellement présent. Il est même plus utile de dire ce que nous pensons de ces députés. Ils le savent eux-mêmes. Ils le savent tellement qu'ils sont aussi pressés, justement, de profiter de ce statut. Je tiens à rappeler quand même un petit détail. Il n'est pas question que nous fassions le ménage à la place de ce pouvoir. C'est les députés qui ressemblent carrément à des batraciens qui sont là la gueule ouverte à essayer de d'avaler le maximum avant la fin de la récréation savent très bien qu'ils sont là provisoirement que ça ne va pas durer que la concurrence est rude à l'intérieur de ce harem lamentable, que pour avoir à décrocher une place dans cette assemblée, il n'est pas sûr qu'ils la décrocheront encore dans la prochaine assemblée. Donc ils sont carrément là, pensant qu'il y a une fragilité quelconque, qu'il y a des contradictions, et que c'est le bon moment pour frapper, entre guillemets, réclamer, peut-être dans leur petit dessin de magouilleur, se disent-ils, la manne, le dinar va être encore dévalué, il ne nous reste pas beaucoup de temps, essayons de ramasser le maximum comme tout ce qui bouge, comme tout ce qui est en train de bouffer, mais soyons prudents, c'est du chahut de gamins qui sont capables de calmer cri. Mais est-ce qu'ils ne sont pas en train de dire... Oui. Un député qui va faire la leçon à celui qu'il a installé. Oui, mais Zine Benzouz, est-ce que d'une manière indirecte, ils ne sont pas en train de dire « Écoutez, vous êtes en train de bouffer en gros et en détail, et nous, là, vous nous jetez des miettes, on a marre, hein, il faut nous donner notre part aussi, nous, on se tait, on vous laisse faire, alors qu'on a les moyens de vous dénoncer, on a les moyens de demander des enquêtes, on a les moyens d'ouvrir des dossiers ». Vous nous oubliez. Est-ce que ce n'est pas aussi une façon de dire, est-ce que ce n'est pas une connivence? Ce n'est pas une façon de dire, vous nous donnez le prix de notre silence. C'est clair, payez-nous davantage. C'est quelque part notre droit pour la sale besogne que nous faisons. Mais ne nous trompons pas, ils n'oseront jamais aller jusqu'au bout de leurs menaces. Ils savent qu'ils ne sont députés que grâce à ceux à qui ils sont en train de réclamer aujourd'hui un peu plus à bouffer. Cela me rappelle les janissaires du temps, je ne sais pas, on a déjà parlé, les janissaires du temps de l'Empire ottoman, quand ils avaient faim, ils envoyaient leur chef avec des marmites et des louches sur la tête. Ouais. Les janissaires n'osaient jamais remettre en cause l'Empire ottoman ou le sultan ou quoi que ce soit de qui s'y réfère. Les janissaires savaient très bien à quoi ils servaient et quand ils avaient faim, ils savaient le manifester et le faire entendre. Nous sommes exactement dans ce schéma, mais attention, un janissaire, nous savons très bien comment finissent les révoltes de janissaires et un janissaire n'osera jamais remettre en cause la puissance, ni le règne, ni la légitimité de son sultan. Ouais, je suis pas très d'accord avec vous, Zineb. Les janissaires changeaient de dé à leur convenance. Mais ceci est un autre sujet. Mais restez avec nous, Zineb. Ali Boukhlef, merci de nous avoir rejoints. Merci. Merci. Bonsoir. Alors, il paraît que tout a été fait pour passer cette demande d'augmentation en catimini, pour que ça ne se sache pas et que la chose a été éventée par TSA qui a vendu la mèche. Est-ce que c'est vrai? Je dois d'abord préciser deux choses. C'est que la première, c'est que c'est un document qui a été élaboré par un groupe de députés, pas tous les députés heureusement, et notamment des gens proches du FLN et du FRMD qui ne peuvent absolument
pas faire le travail de parlementaire que vous êtes en train d'énumérer, c'est-à-dire légiférer ou interroger le gouvernement parce qu'ils sont en fait partie prenante du système. Et il y a des attaques là qui viennent de se démarquer de ce document, qui disent que les députés bien fait, qui disent que nous ne sommes pas concernés, nous ne demandons rien pour nous-mêmes. La deuxième chose, c'est que vous avez énuméré dès le départ ce que touche un député, c'est un peu plus que ça quand même, c'est exactement 400 000 dollars, 40 millions pour un député simple. Ouais. Donc, c'est plus que 20 fois le SMIC. C'est plus que 20 fois le SMIC. Quoi? C'est plus que 20 fois le SMIC, donc. Hein? Allez, Boukhlef, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Je vous ai demandé, oui, donc... Je vous entends, oui. Oui, c'est donc plus que 20 fois le SMIC. Plus. C'est plus. C'est à peu près 25 fois le SMIC. Voilà. Donc, ça tourne, c'est exactement 400 000 dollars pour un député simple, et ça va jusqu'à 550 000 dollars, c'est-à-dire 55 millions pour un chef du groupe parlementaire ou pour un président de commission. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une augmentation, soit de la prime, donc ce que m'apporte le député, soit de la retraite, a été monnayé par le pouvoir contre le vote de certaines lois. En 2002, les députés ont arraché, enfin, le pouvoir, bon, je veux dire, avait accordé aux députés un statut privilégié pour un régime de retraite, ce qui permet à un député, par exemple, qui fait deux mandats de suite, de partir avec une retraite de cadre supérieur de l'État, qui dépasse donc les 30 millions de centimes. Et la deuxième fois que les salaires des députés ont été largement augmenté, c'était en 2008, si vous vous souvenez, lorsque vous avez décidé de triturer la Constitution pour se permettre un mandat de plus. Donc à chaque fois qu'il y a eu des avantages, il y a eu une contrepartie, c'était le vote. Donc en 2002, c'était pour Pétain-Madère. Hein. Donc ils ont voté pour Pétain-Madère, qui devient langue nationale, pour un congrès de côté à l'époque pour avoir accédé de la défense et certains islamistes. Et en 2008, donc, c'était pour permettre à Bouteflika de rester au pouvoir. Aujourd'hui, la mission des députés est malheureusement limitée au vote de certaines lois. Et je vous donne un chiffre très simple. C'est que la dernière fois, en 2013, l'Algérie avait voté 27 lois. Tandis que le Maroc a voté 7 000 lois. Et les parlementaires français ont voté 2 000 lois. Donc, c'est ça pour le Maroc et même 200 pour les Français. Donc, ça vous donne une idée de travail d'accomplissement des députés qui, malheureusement, ne sont tenus par aucune loi qui les obligerait à se rapprocher de la population, qui ne contraint pas d'être présent à l'Assemblée. Il y a des lois qui ont été votées avec quelques seules dizaines de députés présents. Et malheureusement, ils ont d'autres avantages en nature qui ne sont pas conformes à la santé économique du pays et à la vie générale des Algériens. Allez, Boukhlef, redites-nous, confirmez-nous que les députés, vous nous avez dit qu'ils font deux mandats, ont droit à une retraite complète de cadre supérieur pour le fin, jusqu'à la fin de leur vie. Les députés qui ont droit à ce statut, ce sont les gens, les députés qui ont déjà travaillé quelques années avant dans la fonction publique, chez le privé, mais qui ont été bien rémunérés, plus un mandat de député, ou les députés qui ont fait au moins deux mandats de suite, ils ont droit à une retraite, on peut partir à 40 ans, à une retraite du cadre supérieur de l'État, effectivement. Et c'est une loi qui a été votée en 2002, et on n'en parle pas assez. Mais vous avez aujourd'hui beaucoup de députés, par exemple, qui ont fait la législature de 1997-2002 et puis 2002-2007, qui sont partis très jeunes à la retraite parce qu'ils préfèrent prendre la retraite des députés, qui est beaucoup plus avantageuse que celle d'un fonctionnaire dans la fonction publique. Je vous donne un exemple très simple. Un député qui a travaillé quelques années comme enseignant, par exemple, qui a fait un seul mandat de député, il part souvent avec une retraite qui dépasse 150 000 dollars, c'est-à-dire 15 millions, alors qu'un enseignant universitaire n'aura jamais à ce niveau, même en fin de carrière. Donc, c'est quand même une situation problématique pour les parlementaires qui, malheureusement, parce que certains d'entre eux, il faut le dire, ils sont sérieux, ils veulent travailler, mais le système actuel ne leur permet pas de travailler, ne leur permet pas d'être proche de leurs concitoyens. Je vous cite l'exemple d'un citoyen que je connais pas personnellement, mais d'un ancien député de FRND de Pézézou qui s'est rapproché de la population, et bien au bout de quelques mois, il a été exclu de son parti.
parce qu'ils voulaient travailler et soulever les vrais problèmes de la population. Et là, ils expliquent que partout, on est des gens que vous êtes contre le parti, vous êtes contre les idées du parti. Donc, c'est ça la réalité de. Ouais. Restez avec nous, Ali Boukhlef. Zine Bazouz. Oui. Ali Boukhlef vient de nous dire qu'un député qui fait deux mandats, qui a la chance d'avoir été élu deux fois, donc a se doré la tranche pendant deux mandatures, et donc après il a une retraite de cadre supérieur toute sa vie, jusqu'à sa mort. Et Ali Boukhlef a parlé, a fait la comparaison avec les universitaires. Dites-nous quelle est la différence entre le temps de travail que doit faire un universitaire, puisque vous en êtes une, et la retraite que vous touchez quand on est universitaire. Alors, je ne peux pas vous décevoir. Je préférerais faire la comparaison avec le salaire d'un ouvrier, qui le plus souvent n'est même pas assuré, n'a pas de retraite. Je préférerais les universitaires qui ne réagissent même pas à cette gabegie. Je leur laisse le soin de se défendre eux-mêmes, surtout qu'ils ont un syndicat qui peine à avoir l'agrément et l'un des rares à avoir réagi justement à cette réclamation, à cette énième réclamation des députés, j'ai nommé le CES, et qu'on ne m'envoie pas de faire du prosélytisme. Encore une fois, puisque l'autre échelle est le SMIC. Donc nous devons d'abord nous intéresser à ceux qui touchent le SMIC, c'est-à-dire le SMIC multiplié par 1. Ouais. En sachant qu'on oublie ceux qui touchent le SMIC multiplié par 0. Vraiment, leurs avantages, si on pourrait faire 10 émissions sur les avantages des députés, des ministres et de toute la pyramide qui n'a pas de nom. Ouais. Ce n'est pas... je voudrais juste rebondir, Jamel, sur les journalistes algériens, sur les démocrates, qui nous donnent l'air d'être effarouchés par la énième assemblée illégitime de ce pays. Qu'on le veuille ou non, tous ont marché contre la première assemblée élue. Quoi qu'on dise, quoi qu'on critique, et quoi a été annulé, enfin, quand les élections qui ont permis d'avoir la première assemblée en 91 ou même pas dans la première assemblée, quand les élections ont été annulées, je suis désolé, ces démocrates ont applaudi. Eh ben qu'ils chantent maintenant. On a les députés qu'on mérite et qu'on ne vient pas nous dire que ça les choque d'avoir des députés analphabètes, d'avoir des députés non élus, d'avoir 30% de l'électorat. Il n'y a aucune loi qui interdise d'avaliser une telle assemblée, surtout pas dans le nôtre. Ce qu'il faut rappeler, malgré le côté ublesque et ridicule de ce qu'on vit, c'est un drame. Ces gens ont force de loi, ces gens ont l'immunité. Ces gens pourraient vous frapper dans la rue et ne pas être poursuivis. Ces gens peuvent conduire en état d'ivresse, peuvent spolier, peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils ne seront pas poursuivis. C'est ça qui... Ces gens sont en train de voter des lois dont on ignore les conséquences dramatiques. C'est après qu'on a su qu'ils ont voté les fameuses lois de regroupement, d'attroupement, au-delà de 3 personnes. Vous irez en prison grâce à ces gens, entre guillemets, grâce à ces gens. Oui. Donc, étalons leur privilège. Mais nous donnerait encore une fois, il n'est pas question que nous, on fasse le ménage à la place du pouvoir qui aimerait bien que les gens les vomissent. En tout cas, Zineb, je vous remercie sincèrement de m'avoir mouché pour me rappeler que nous n'avons pas à défendre des universitaires qui acceptent tout, une élite soi-disant intellectuelle, qui accepte tout, sauf contester ce régime prédateur, sauf se dresser, comme c'est leur devoir de le faire, contre ceux qui sont en train de mener le pays à la faillite. Mais vous avez bien fait de me moucher, de me rappeler que ceux que nous devrions défendre, ce sont les travailleurs, ce sont les fonctionnaires, ce sont les gens honnêtes qui ont donné toute leur vie, qui ont travaillé souvent plus de 40 ans pour finir avec une retraite misérable qui leur permet même pas de vivre dignement. Vous avez bien fait, Zineb, je vous remercie. Mais je vous en prie. Il faut revenir à la définition du SMIC. Il faut bien rappeler que le SMIC, la valeur du SMIC est aussi fixée par ces gens de l'Assemblée et par la tripartite. Il faut rappeler que autant ils s'accordent les coefficients multiplicateurs du SMIC comme salaire, autant ils feront tout pour que ce SMIC soit figé et
ridicule. Et les GTA dans tout ça, les GTA de Sidi Saïd, le milliardaire et tous ces, toutes ces clientèles, les GTA, responsables des GTA, tout aussi milliardaires, qui font des affaires, qui ne défendent pas le droit des travailleurs. Qu'est-ce que vous en dites? Ah ben, il est dans son rôle, il est tout à fait dans son rôle, il a été assez bien rétribué. C'est quelqu'un qui sait que les travailleurs n'existent plus, il n'y a plus de secteur, il n'y a plus de travailleurs. Il reste l'éducation, les usines ont disparu. L'éducation, l'éducation et quelques petits fonctionnaires par-ci par-là qui se débattent. En dehors de ça, qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui l'Union Générale des Travailleurs Algériens? Pauvre Aïssa Tidir qui doit se retourner dans sa tombe. L'UGTA est un pilier du pouvoir qui négocie, qui applaudit et attribue des prises en charge à l'étranger, il faut le savoir, qui dispose du budget de la CNAF, qui en a déjà disposé, qui est le nom de l'épisode de l'argent de la CNAF offert à Khalifa. Absolument, absolument. Je rappelle que la CNAF, Sidi Saïd, qui était président du conseil, comment on appelle ça, conseil d'administration des œuvres sociales, de l'argent des travailleurs, a trafiqué le PV, l'a reconnu lui-même, et il a mis l'argent des travailleurs dans la banque Khalifa, je crois, de l'ordre de 3 milliards ou plus de dollars à l'époque, et où on n'avait pas autant d'argent qu'aujourd'hui, et que c'est passé comme une lettre à la poste, qui n'a pas été jugé pour ça. Mais restez avec nous, Zine. Oui. Rappelez que oui. après cet épisode, la CNAF, certainement pour renflouer ses caisses, a inventé la notion de tarif de référence, de vignette verte, vignette rouge, vignette pour justement éviter de prendre en charge 100% des médicaments. Hein. C'est suite à cet épisode que la notion de tarif de référence, de générique non disponible, en gros, on vous calcule le prix d'un médicament, parfois pour la valeur d'un générique qui n'existe pas sur le marché. Restez avec nous, Zineb. Ali Moukhlef, par rapport à cette information que vous nous donnez, très choquante, du député qui, une fois avoir réussi à se faire élire deux fois, à se faire élire entre guillemets, bien sûr, deux fois, a droit à une retraite de cadre supérieur jusqu'à la fin de sa vie. Et comparé aux fonctionnaires qui ont souvent, et aux travailleurs et aux salariés d'une manière générale, qui ont souvent fait 30 à 40 ans de travail, c'est tellement choquant que je ne sais pas quelle question vous poser. Vous en pensez quoi? Quel recours peut-on avoir contre ça? Pourquoi la presse ne s'est-elle pas insurgée contre cette atrocité, j'allais dire? Je dois juste rajouter à ce que vous disiez là-dedans tout à l'heure. C'est que moi, j'aurais été du membre de l'instance exécutive budgétaire sans prendre des parlementaires. Ils étaient députés, certains sont actuellement sénateurs, donc ils ont les mêmes avantages que les députés, donc ce n'est pas un problème pour eux que si les gens touchent le SMIC. Donc je connais des membres de ma famille qui ont des retraites qui n'ont même pas, qui n'atteignent même pas le SMIC. Oui. Donc la presse, je crois qu'il ne faut pas trop en demander, parce qu'aujourd'hui vous remarquez qu'à part deux trois journaux, le reste de la presse est rentrée dans les rangs, donc qui va en parler. Nous en avons parlé plusieurs fois, mais nous sommes dans un pays où on peut à la limite tout dire, mais personne ne nous écoute. Donc c'est ça le problème dans ce pays. C'est choquant, c'est à la limite de l'indécence même, mais que voulez-vous qu'on fasse? D'autant plus que ces députés-là, je l'ai appris il y a trois jours, j'étais à l'Assemblée pour rencontrer quelqu'un, j'ai vu qu'ils ont affiché sur les murs des affiches appelant les députés à présenter des fiches familiales pour qu'ils touchent, retenez très bien, les allocations pour les enfants scolarisés. C'est-à-dire ce qu'on donne au père 3 000 dinars, ils les prennent aussi de la rentrée scolaire. Donc, quand on arrive à ce niveau d'indigence, que voulez-vous qu'on fasse au-delà d'écrire? Aujourd'hui même, lorsque nous avons publié cet article que vous avez cité tout à l'heure, un parti politique nous a attaqué en disant que vous n'avez pas cherché la vérité, vous ne parlez que des avantages. Et donc, dans ce climat-là, le salaire des députés est pratiquement relégué au second plan, d'autant plus que il y a des responsables actuellement au niveau du gouvernement et des institutions de l'État qui prennent des milliards de l'argent public
sans que personne ne lève le petit doigt, parce que des fois on n'a pas de preuves, des fois des peurs d'être en prison. Donc c'est un climat favorable à tout dérapage et à tout dépassement. À toutes les prédations. Merci Ali Boukhlef, en espérant vous revoir bientôt. Zineb, le mot de la fin vous revient. Moi, je suis tellement dégoûté que j'ai même plus envie de parler. Vous savez, je vais vous dire une chose avant de vous laisser la parole. Moi, je demande pardon, personnellement. Je demande pardon aux retraités. Parce que mon père, qui était retraité de la fonction publique, il a fait 40 ans de travail, chef de service, il est sorti avec 1 million de retraite. 1 million. Et heureusement que ses filles l'ont aidé à vivre dignement. Je vous laisse finir l'émission, Zineb, excusez-moi. Je vous en prie, je comprends votre amertume. Ce que vous décrivez, nous le vivons chaque jour avec j'ai croisé mon ancien instituteur et j'avais les larmes aux yeux. Je vous assure qu'il n'a pas pu payer le pain, la baguette de pain, parce que le boulanger lui imposait celle de 15 dinars. Encore une infraction qui passe inaperçue. Je vous assure que mon ancien instituteur n'a pas pu acheter le pain midi à cause de 15 dinars du boulanger. Encore une fois, il n'est pas question qu'on se laisse manipuler par les émotions, surtout, et je le dis, je l'assume, par les journaux qui ont tout fait pour que ce pouvoir dure, pour que le coup d'État sévisse, pour la normalisation du crime, pour que ce pouvoir ait ses relais, pour que ces députés existent, et qu'on vienne ensuite se moquer d'eux. Ce n'est pas à nous. Autant nous les vomissons, autant nous leur en voulons, ces députés. Ils ne sont que mouches de coche. Ils ne sont que des vitrines, ils ne sont que des fusibles. Ce ne sont pas eux, malgré toute l'horreur que vous avez décrite. Un député qui ose aller gratter les 3000 dinars, mais il reste minime, il reste peu dangereux en réalité par rapport à la véritable force du pouvoir dont on ignore tout. Merci Zineb, merci Zineb, merci. Je finirai par un seul mot. Allah la tarbaham. Salam alaikum, azul, salam, abqa al-akhir.